Yo tout le monde, ciao ragazzi, buon dia carali. Voilà, comment que c'est? Bon, demain, on est libéré ou quoi? Hein? Bon, comment ça se passe? Putain, moi j'ai cru que ça y est, c'était libre, quoi. Hein? Je pensais à rejoindre René et Gégé au café des sports, tiens, à partir de demain, mais non, c'est pas encore, on peut pas encore. Oh merde, putain. Bon, tiens, on peut sortir sans attestation, apparemment. Enfin bref. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter, clac, hop, le Razorin. Donc ça, c'est la version 2. Il y a eu une première version, tac, je vous la mets là. Donc, je vais être salé, hein. Je le dis direct, hein. Voilà. Hein. Tac, bon alors, ouais, sur la première version, c'est le manche hein, qui change, hein. Ok. Il fait 14 cm pour 66 grammes. C'est censé être du laiton. Hein? On ne le fait pas, moi. Hein? On ne la fait pas. Hein? Peut-être que l'écrou. Par contre, l'écrou, oui. Là, c'est du laiton brut. Là, là c'est usiné. C'est du brut. Que ça, cette daube là. Oui, parce que ah, je vous ai pas dit, c'est une daube. Oh putain, ça y est, je vous ai spoilé. Oh merde. Oui, bon, parce que les Italiens et la métallurgie, ça fait deux. Hein. Excusez-moi, hein, faut le dire. Hein. Non, non, mais là, ça, c'est pas du tout du brut. Hein, vous n'allez pas le voir. Je vais essayer de mettre des photos. Alors, tac. Tu vois, c'est mal et pas furé. C'est dégueulasse. Si vous mettez des photos, j'essaierai de mettre des photos de plus près. C'est dégueulasse. Alors rien que le fait de voir le côté comme ça, là, enfin, vous n'allez pas vraiment voir, mais déjà ça fait un petit, une petite courbe. Hein? Ça n'annonce pas très terriblement bien. Hein? Qu'est-ce que. Ouais, du coup, moi je pensais que c'était carrément au niveau du relief, du profil du moins, je pensais que ça allait être plus comme un DE, comme une tête de DE. Mais non, c'est vraiment plat. Hein? On est vraiment sur du plat. Et puis voilà. Bon, on va insérer la lame. Je vais mettre des petites Astra vertes. Hein. Clac. Je les connais bien. Je l'ai utilisé qu'une fois. Ça fait un petit moment. D'ailleurs, je suis un peu déçu. Enfin, je suis un peu dégoûté parce que c'est mon frère qui me l'a offert, qui me l'avait offert pour mon anniversaire cette année. Alors, est-ce que déjà la lame elle tient? Bon, deuxième prise. Bon, on va voir si déjà. Attendez, je vais poser ça. Si la lame, elle tient déjà dans les deux fentes là. Ouais, ça va. C'est ajusté à peu près. Ça va. Il n'y a pas trop de jeu. Par contre, c'est là où il y a du jeu de ouf. Alors, attends, tac. Ce serait bien que je vous montre quand même. Ouais, mais. Ouais, c'est tellement flat. Alors, tac. Oh, autofocus, hier. Yeah. Bon, tac. Ah, bah, la lame, elle est restée collée dessus, gros. Tiens, regarde dedans. Tac. Ouais, bon, maintenant, je fais comment? Allez, je vais me couper, mon gars. Alors, attends. Putain, autofocus, Jean-Claude, la merde! Tac. Je visse, hein, l'écrou. Déjà, oh, même le pas de vis de la tige filetée est dégueulasse. C'est même. Pas bien et bavuré. Enfin bref, on est quand même sur un truc qui coûte 45 balles, je crois, un truc dans le genre. Donc là, je serre, je serre, je serre. Clac, bon, ça y est, c'est bloqué. Et là, mon pote, ça fait flipper. On va essayer de. Oh putain de merde. En plus, j'ai changé mon autofocus. Là, je me suis mis en mode. Zone fluide, je suis pas en recherche de tête. Alors, je vous ferai une photo, mais je sais pas si vous voyez, mais la lame, là, comment elle est courbée, elle fait un joli sourire. Pour vous dire, ouais, je vous emmerde, je vais te niquer la gueule. Enfin bref. Je pourrais me raser avec ça, mon pote. Ouais, déjà, ça annonce la couleur. Bon. Alors, ouais. Je peux essayer de les voir, mais. Elle ressort plus d'un côté que l'autre, là, elle est pas du tout centrée, tu vois, c'est de la merde. Bon,
Enfin bref, allez tiens, je vais me machiner la gueule, hein. Je vais sortir un petit ficelade Jean-Claude. Il est super celui-là. Il est top. Ça, vous pouvez y aller. Bon, je ne l'ai pas précisé, mais bon, comme j'en ai parlé, c'est fabriqué en Italie. Hein. Hein? Made in Italia. Made in Italy, bref. Hein? Bon. J'ai pris un savon qui protège très bien. Mais bon, après, il n'y a pas de miracle. Hein. Si ça m'entaille, ça m'entaille. Hein. Bon. Qu'est-ce qu'il faut pas faire, mon pote? C'est n'importe quoi. Bon, allez. Bon, là, ils croient que c'est pour passer du DE au coup de chou, mais ça n'a rien à voir. Hein, je veux dire. Oh, je sais pas où je suis. Tire un peu le poil, c'est agressif, c'est. L'extraction est bonne de la mousse. C'est un bon point, je dis pas. Tiens d'ailleurs, je n'ai pas dit un petit bon point aussi, c'est qu'il est livré dans un petit feutrine dans un truc velours, quoi, comme ça, hein, bon. Pas mal. Bon, ouais. Ça picote, hein. Ça arrache, hein. Pour ça arrache la gueule. Ah la vache. Tu m'étonnes. La lame, elle est comme ça, gros. Alors, s'il y en a qui en ont, qui me disent s'ils ont le même problème, là. Si c'est de la merde partout, ou si c'est moi qui est tombé sur de la merde. Pour prendre la chavette, comment elle s'appelle? From Pro, hein, c'est mieux. C'est moins cher. Dommage parce qu'il avait de la gueule ce petit rasoir. Ouais. Alors il y a Rat The Rock aussi qui ont fait un peu le même système, sauf que. Eux, c'est vraiment une tête de DE, quoi, de rasoir. De sûreté où tu peux soit le mettre en rasoir de sûreté comme montage à la verticale ou à l'horizontale comme celui-ci tu viens le visser sur le teco. Je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs. Je vous le mets là comme ça. Hop, voilà. Hein. Bon allez. Là, si, ces poils-là, ils sont herbiques vers le haut. Donc, en gros, j'étais à contresens. Donc, je pense que. Pouah, à contresens, il doit. Aïe, 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 aïe. Oh mon Dieu. Pour ceux qui ont pas fait la guerre, je pense que tu prends celui-là. Tu amènes directement. Je crois que je ferai qu'une passe, hein. J'ai mis une lame qui est moyennement efficace et assez douce quand même. Alors, main gauche. Ouais, je crois que je vais faire main droite. Ouais, mais tu verras rien, gros. Je regarde dans le retour de la caméra. Ce que je rase. Bon, ça rase. Ça arrache la gueule.
Pop. Ce côté, c'est déjà mieux. Hein. Voir la gueule qu'il a. Hein. Ouais, il est un peu mieux. L'autre, il est vraiment banane de ouf. Celui-là, il y est quand même, mais un peu moins. Ouais. Clic. Ouais, tu vois, là je l'ai senti tout à l'heure. Bon, c'est efficace, mais bon. Ouais. Bon, allez, on refait une deuxième passe. Allez, on y est ouf. Bon, par contre, hein, je ne veux pas y aller au gros poil. Hein. Bon, allez. Oh. C'est du radzopine, ouais. L'autre côté, ça va un peu mieux. Ça chante, hein. Mais en même temps, ouais, je vous dis, l'exposition, la lame, elle est bien droite, donc. Faire clairement un camisole. Parce qu'en fin de compte, ça tient comme un camisole. Ouais. Attends, je vais remettre de l'eau pour la lisse quand même. J'ai pris un Nobel hauteur en savon. Ce langue il est un peu relou. Il est du mal. Enfin, il est vraiment pas pratique à trouver l'angle. Vu que la tête et le capot il est droit. C'est bizarre. Alors donnez votre avis si vous en avez. Vous avez la première version ou la deuxième. Dans les commentaires.
Bon, ça ira bien, je vais faire des repouches avec autre chose parce que. Ouais, bon, bah, j'ai refait une troisième passe du coup. Avec le Gillette Jean-Michel King là. Hein? Bon, que dire? Merci à Nobel Auteur là qui m'a bien protégé, heureusement, parce que sinon ça aurait été une boucherie. Alors, hein? Ça. Faites comme vous voulez. Hein. Mais déjà, bon. C'est moulé, hein. Je sais pas si c'est vraiment du laiton. Hein. Laiton, pour rappel, c'est principalement un alliage de zinc et de cuivre. Donc, par contre, oui, l'écrou là, il est full laiton. Là, on est sur du brut, hein. C'est de l'usinage. Peut-être sur des tours, hein. Des tours conventionnels. Mais clairement, là, on est sur du moulage et je suis vraiment pas sûr que l'alliage ça soit vraiment du laiton. Enfin bref. Voilà, faut me dire si vous l'avez, si vous l'avez déjà essayé ou quoi, si vous avez le même problème du moins, ou s'il n'y a que moi qui a eu ce problème-là. Allez, bon, sur ce, si vous avez aimé la vidéo, si vous l'avez pas aimé, like, dislike, ce que tu veux, tu la partages, tu... T'en fais ce que tu veux, mon vieux. Allez, la bise, ciao, ciao.